tambour est tellement dur et tout aurait pu se passer autrement. Dans un rêve, je me suis trouvé dans un wagon désaffecté, assis par terre parmi des gens, des femmes, des vieux et des enfants. Il faisait noir que je distinguais des étoiles jaunes, des chemises rayées. Ils portaient ça sur leur blouson comme une médaille en écusson. Moi j'avais soif, tout le monde criait. Il faisait chaud, c'était l'été. Il n'y avait pas d'air, je respirais mal, tous entassés comme du bétail. Les gosses pleuraient, ils avaient faim. C'est quoi ce rêve, y'a même pas de pain. Qu'est-ce qui m'arrive, je suis plus sur terre. J'ai l'impression de toucher l'enfer. Une chose est sûre, comme c'est parti, je prends pas la route du paradis. Un homme s'approche, il est rabbin. Il parle très fort, moi je comprends rien. Il dit qu'on est tous condamnés, que dans une heure on sera gazé. Qu'est-ce qu'il raconte, ce pauvre fou? Je suis sûr qu'il a vu comme un trou. Tout le monde écoute, personne dit rien. Il me fait peur, je me sens pas bien. Stoppez ce train, je vais tout casser. Sortez-moi de là, je vais me réveiller. J'entends des chiens et des soldats. Putain, c'est dingue, qu'est-ce que je fous là? Y'a un problème, faut m'écouter. Moi, je suis pas juif, je suis français. Je rêve, je rêve. C'est dur, je sais, mais je rêve. Enfin, ça y est, le train s'arrête. Les portes s'ouvrent et c'est la fête. Je remarque ici Auschwitz. Tout le monde descend, ça va très vite. Je sors du train, je tends les bras. Et les enfants sautent sur moi. Il y a des manèges et des chansons. C'est magnifique, il y a des violons. Les enfants courent, ils veulent toucher les clowns, les singes et les poneys. Sur leurs épaules, tous les soldats portent un enfant, et là je vois ce vieux rabbin, les larmes aux yeux. Il lève les bras, remercie Dieu. Moi j'en ai marre, faut m'expliquer. On m'avait dit que je serais casé. Apparemment tout va très bien. Il faut que je retrouve ce vieux rabbin. Je vais lui dire qu'il a eu tort. Où sont passés les camps de la mort, les chambres à gaz, les barbelés. Cet homme est fou, il a rêvé. Mais il est triste, un commandant appelle les femmes et les enfants. Tout le monde en rang, c'est terminé. N'oubliez pas de vous ranger. Prenez une douche, profitez-en. Soyez tranquille, on a tout le temps. Il y a des chambres au fond là-bas. Couvrez-vous bien, il fait très froid. N'oubliez pas de déchirer cette étoile jaune que vous portez. Je suis allemand dans ce camp. Personne ne touchera un enfant. Il est 8h, j'entends crier. Tous les enfants sont déchaînés. Je vois un homme sur un traîneau. Il a les mains remplies de cadeaux. Un militaire va lui parler. Il nous demande de l'écouter. Il nous raconte que ses soldats ont décidé, ont fait le choix de détourner les trains de nuit. Voilà pourquoi vous êtes ici. Je ne veux pas de prisonniers. Et vous pouvez vous en aller, mais vous pouvez rester ici. Personne ne vous prendra la vie. Je rêve, je rêve. Je sais, c'est dur, mais je rêve. Voilà, mon rêve est terminé. Et je suis fier d'avoir passé une nuit magique parmi ces gens, ces femmes, ces vieux et ces enfants. Bien sûr, j'ai honte d'avoir crié. Je ne suis pas juif, je suis français. Mais je voulais sauver ma vie. Toi, le rabbin, tu m'as compris. Ça fait 10 ans que j'ai fait ce rêve. Ça fait 10 ans que j'ai la haine. Depuis cette nuit, j'ai tout acheté. Tous les bouquins, tous les CD. J'ai vu la liste de Schindler. Les reportages qui montrent l'horreur. Tous les massacres pour qui, pourquoi. J'ai même regardé la Shoah. Il y a encore, malgré tout ça, des fanatiques qui tendent le bras. Et des rasés, des tatoués, qui portent fièrement la croix gammée. Mais le plus triste de cette histoire, c'est que des gens ont cru pouvoir changer le monde en les passant, ces femmes, ces vieux et ces enfants.